Salut à tous, c'est Full Greg et on est parti pour ce troisième épisode. Et on s'était arrêté là après la bagarre sur le train. Et là, on est reparti en avance dans les bois là. Oh bah ça t'inquiète. Ah voilà, oui. Il nous poursuit, il nous poursuit. Allez, c'est reparti par l'autre côté. Cours, jeune fille. Ah, j'appuie, hein. Allez, on saute, hein. On va à gauche, à droite, je sais pas où on va, mais on y va. Attention à la branche. Hein. Je sais pas... Ouais, bah attends, je vois pas grand-chose, hein. Ah, baisse. Ouh, on allait se prendre dans la tête. Oupi, encore une fois. Hop, ça va vite. J'ai même pas tombé. Je sais pas ce que tu dois faire, hein, Arjun. Ouais, il tire dessus, il est ouf là. Ah, faut appuyer les boutons partout là. Les boutons. Encore du QTE. Non. Ouh. Ah là, c'est moi qui joue là, d'accord. Tout à l'heure, c'est moi. Tout à l'heure, je jouais pas tout à l'heure. Bah, je pisse sur tous les boutons. Je parle de tout droit, on verra. Regarde où tu vas. On va par... Ouh, il y a du monde par là. Pas par là, on va par là. Ah! Ça a pris clébard. Attention! Pars-toi! Ah bah mais fait mal, j'ai pas envie de taper les chiens, mais attention! Oh non, mais là j'ai bien fait là. J'ai sûr que j'ai bien fait. Oh, le coup de pied dans la face! Lâche le bâton! Ah, eh, je suis pas bon à manger. Cette bagarre avec le chien. Ah, Eden, il m'a fait peur. Les gars, ils arrivent, dépêche-toi. Ah, c'est moi qui cours. Ah, merde. Il est dans la crotte. Oh genre, hein. Allez monte. Mais monte, oh là là. Ouais, c'est R2, je me suis trompé. Eh, c'est chaud là. Ah non mais c'est compliqué les boutons R2, R1, je suis perdu moi. Bon, R2. L1. Ah non, ah, tombe pas. On a besoin de lumière par ici, j'ai pas de canard. L2, R1, XXXX, hein. Ah, tu te rappelles les boutons de la manette, c'est chaud des fois, hein. Ouais, hop. Mais non, ah d'accord. Pour rester appuyé. Tu vois quelque chose? Que des rochers. Non, elle aurait jamais pu grimper là-haut. Reste appuyé. Merde. On a dû la rater. Travis, rappelle-moi tout de suite ces saloperies de clébard. Là, c'est chaud patate de me monter là. L1. Faut pas tomber.
Ah, c'était trop dur de grimper là. Mortel. Après, ils sont là aussi, quoi. Les malvailles aussi. Ils sont partout. Vu les vers eux là, on peut pas aller à gauche, partir très loin. Oui, au pire, Aiden. On passe sous le pont, hein. Et que je fasse quoi? J'en ai ma claque de toute cette pluie. Putain, on dirait que c'est pas prêt de se calmer. J'espère qu'elle va bientôt arriver. Une moto. Pile ce qu'il me faut. What the fuck, je prends ça. Je prends possession du monsieur. Bonjour. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah. Hop, on met le contact. On met la vitesse. On accélère. Où tu vas, Mike? Hé! Hey, tu peux me dire ce que tu fous là? Allez, Mike! Ça suffit! Voilà. Let's go! Elle en a géré là! Oula, elle deux. À la fois pour accélérer, ok, pas rester appuyé. Pain, pain, pain! Ah bah, pardon, non, ça c'est là pour les pompiers. Ouh! On peut pas ralentir! Oh là, elle voit plus rien là. Là c'est chaud, je vois plus rien. Oh, c'est trop dur à conduire comme ça. Oh là, oh là, oh là. Elle se barre en cacahuète. Ah mais faut rigoler pas, mais c'est trop dur à conduire. L'hélicoptère, il m'a vu. Ouh là là. Oh là, je vais prendre des cailloux, ça continue. Bah, je vais tout droit, on verra. Hein. Ah bah non. Oh bah là, ils sont partout, faut pas abuser. Ah bah c'est l'armée. Ah non, c'est... les SWAT. Tenez votre position. Je te connais, toi. Je t'ai déjà vu. Pas le choix. On va devoir passer tout droit. T'es prêt, Aiden? R1. R2. On y va. Aiden, j'ai besoin d'aide tout de suite. J'ai pas compris là. Bah je pouvais rien faire. J'ai pas compris, je pouvais rien faire. J'ai bougé le stick, il faisait rien. Si j'ai pas compris. Cible extraite, heure d'arrivée prévue 5h. Ok, bien reçu, nous vous attendons. Oh non, fais quelque chose. Je supplie, il faut qu'on sorte de là. T'es sûr qu'elle va pas se réveiller? Je lui ai fait une injection qui assommerait un éléphant. T'as vu un peu ce qui s'est passé? Putain, c'était quoi ce bordel? Tu crois que c'est une espèce de mutante? J'en sais rien. C'est vrai que... Ce que je sais, c'est que j'ai pas envie d'être dans le coin quand elle se réveillera. On prend possession du monsieur.
Bah R1. Et qu'est-ce que tu fais? Pose ce putain de flingue. Ouais, d'accord. Putain, merde, trop gnangnang. Descends le jeu là, bordel, c'est... Oh là là, c'est quoi cette merde là? C'est chiant à diriger des fois. C'est parti mon kiki. Allez hop! Avec le flingue c'était trop long. Mon collègue était pas content. Là, allez, sors de là. Là, j'ai du mal avec les boutons, j'ai du mal. Hein. Ah, ces boutons, appuie sur les boutons, se rappeler c'est où, c'est la galère. Hein, s'en fout. Olé. Ah, ok, olé, main. Dites-leur de me foutre la paix, d'accord? Parce que la prochaine fois. Je veux tuer tous jusqu'au dernier. Le mec, il est KO. On y va, Aiden. Je crois qu'ils ont compris le message. Mince. Attends, j'ai pris le flingue, je pensais lui tirer dessus, mais... Fugitif. Le mieux, ouais, je sais pas, après, le mieux sera quoi de tirer dessus. Attrape-moi si tu peux. Attrape-moi si tu veux. Ou attrapez-moi plutôt. Aïe aïe aïe. En fait, je pense que le cadenas, ça doit être le flingue, je pense. Moi, je crois, je sais pas. Arrêtez de sur la route. Moi, je vais que 9%. Un peu de la merde. Hein. Ok, bon, allez, on continue. On va où maintenant? Ami imaginaire. Bon, bah, je crois qu'on va retourner dans quand elle est petite. On repart en arrière. Ça c'est un peu bête ça. On aurait pu faire ça en continu quand même. Ouais, les yeux rouges toi. Pauvre gamine, toi. Hé, hey, ma puce, tu vas quand même pas regarder par la fenêtre toute la journée. Pourquoi pas? Essaie de trouver quelque chose à faire. Ok, on y va. Bon, on est revenu quand on est tout petit. Il neige, peut-être Noël, peut-être un truc comme ça. Mais qu'il y a des décorations, des sapins, tout. Ouais, c'est Noël. C'est Noël! Oui, beau. Allez, hop, dans le feu. Non, bon. Il y a quoi par là? En gros, on va visiter tranquillement quand même. Visitons la maison. On va s'asseoir peut-être. Ah ouais, c'est ça. Oh bah là, on est bien. Voilà. Ah, la télé. Hop, la télécommande. Ah, on éteint ça plus vite. Hop, voilà. Bon, ok. Je pensais qu'elle allait regarder un peu la télé ou se mettre un peu plus près, mais non. Bonjour, bonjour. Mon cœur, je dois préparer le dîner. Hey, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Je veux juste un cœur. Oh, c'est mignon. Elle veut te dire qu'il y a quelqu'un qui est avec elle. Ça va mieux? Elle a un fantôme, un esprit ou quoi que ce soit. Faut que je me remette mon cœur. C'est pas facile, hein. Des cookies. Je peux avoir un
bientôt l'heure de manger, chaton. Si t'en manges un, tu n'auras plus faim pour le dîner. C'est pas faux. C'est pas faux. Aïe. Hop. Alors, je fais un peu de tout, hein. C'est cool. On regarde dehors, il fait beau. Il y a de la neige partout, c'est magnifique. C'est la classe à Dallas. Hop. Je visite, on en profite. Tant que c'est pas qu'on court comme un malade ou on s'en prend plein la figure. C'est quoi, c'est le... Ah, c'est la cave. Ah, si, mais ça fait peur la cave. Ah, t'en refermes, t'as raison. Ça fait peur la cave. Pas plutôt la cave, c'est plutôt le grenier, quoi. On peut grimper ou pas? Oh, on peut grimper. Alors, voilà où ce qui se passe. Pauvre gamine, elle se fait trop chier. On se fait chier. Allez, je vais aller me laver. Je vais me brosser les dents, plutôt. Non, je me regarde, c'est mieux. R1. Ah, c'est compliqué, R1. Je me trompe à chaque fois. Ah, c'est chiant. Entre R1 et... Sa mère! Ça m'a fait... ça m'a fait peur! Je m'attendais pas à ça. Ah, la gueule qu'il avait, le machin. Je sais pas... Ah, on se barre. On reste pas devant le miroir. En même temps, comment t'as souri, ça faisait un peu peur en même temps aussi. On rentre dans la chambre. On va faire un peu de dessin. Ah bah c'est ça en plus. On fait un rond. Voilà. Après on fait quoi? On fait des trucs comme ça. C'est joli. Même si on voit rien. Voilà, ça c'est Eden. Eden ou je sais pas quoi. Ok, c'est magnifique. Hop, et on revient en arrière. La peluche. Pauvre gamine. On reste pas longtemps parce que sinon on va rester 3 heures là. Hein. C'est juste pour visiter. Mais gratte-toi les cheveux, t'as des poux. Ah, on va jouer des poupées, non? Barbie. Oh oui, bonjour. J'appuie sur L1. Oh, bonjour madame la fée. Ça vous dirait de venir chez moi pour prendre le thé? Non. Oh oui, j'en serais ravie. Super, dans ce cas, on n'a qu'à prendre ma voiture. Oh, j'adore votre voiture. C'est un chalet. Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Une calèche. Elle va vraiment super vite. Ah d'accord. On est arrivé. On y est. Allez, venez, c'est par là. En plus, on mange dehors, il fait beau. Waouh, quelle belle maison vous avez! Oui, j'en suis très contente. Mon mari me l'a offerte pour mon anniversaire. Il est riche, ton ami. Vous voulez un peu de sucre dans votre thé, madame la fée? Oh non, merci. C'est pas trop tard, t'en auras quand même. Et alors, comment va votre mari? Ça va, il travaille en ce moment. What the fuck? Il est vraiment très beau. Arrête ça, Aiden, je t'ai déjà dit, j'ai plus envie de jouer avec toi. Ah mais pas content, si tu joues avec... Ah mais tu joues pas avec lui. Bah tu laisses une poupée dans un coin, il jouera et puis... Jody, chérie, tu peux me rendre un service? Tu peux aller dans le garage, me rapporter une bouteille d'huile? D'accord, je m'en occupe. Ah, on va dans le garage. Allez, bah avance. Oula, je pourrais. Attends, il y a d'autres choses là-bas. Allez. Oh, le jeu, des fois, il a du mal ou quoi, là? J'ai pas vu ce qu'il y a là-bas. Elle a qu'à attendre 2 secondes avec sa bouteille d'huile, là. Elle a qu'à y chercher, si.
Ça, c'est la chambre des parents, ok. Regarde, il y a un bouquin là. Ah bah non, c'est le lit. Bon, on s'en fout alors. Bah oui, on s'en fout. Je pensais que tu allais prendre le bouquin en fait, moi. Vu qu'il y avait deux trucs, j'ai dit. Bon, allez, hop. Maintenant, c'est vrai que le bouquin t'en fout un peu, quoi. À ton âge. Va se maquiller comme maman. Je suis fou comme connerie encore. Alors que Jody, oh, non? Aiden. Maman va se mettre en colère si on joue avec ses affaires. Au moins, c'est t'as bien essuyé. En même temps, t'as pas fait de traces sur le carreau, rien, nickel. Ah, téléphone. On va appeler un inconnu. Mais bonjour. Allô? Salut, comment vas-tu? Très bien, merci. Il fait un temps horrible en ce moment. Toute cette neige. J'espère que ça va bientôt fondre. Les enfants deviennent insupportables quand ils peuvent pas jouer dehors. Aiden, arrête ça! Oh, il est pénible, hein. Oh, il veut toujours jouer avec nous, mais nous, on n'a pas envie de jouer avec lui. Oh, il est pénible. Ah, ça joue. Ah, là, le bureau de papa. S'il te plaît, Jody, Bonjour. je suis occupé. Et moi, je me fais chier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous deux, on a un problème. On peut rien faire, alors on s'en va. Ouais, je vais chercher dans le garage. La bouteille d'huile. On va dans le garage chercher la bouteille d'huile. Le garage, il était quelque part Jody, pas. Oh. tu m'as rapporté l'huile? J'arrive! Ouais, j'y vais, j'y vais. Tu m'as pas dit à quelle heure fallait la ramener. Allume-toi, Sésame. Bon, allez, on y va, courage. Oh, il y a un visage. Ouais, ça fait flipper. Pourquoi ils ont un mannequin visagiste comme ça, là? Ça fait peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Non, non, non. Ouf. Eh, nickel. J'ai même pas... Attends. Demi-tour droit. Petit robot. Hop, 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 hop. Hop, hop, oh non, merde, c'est de ce côté, bon. Tiens, ton huile, je t'ai tout ramené. Merci, mon cœur. Et c'est un bidon d'huile, toi. Allez, maintenant, c'est pas quoi faire. Allez, on va peut-être faire un tour dehors, quand même. Hé, mon cœur, pourquoi t'irais pas jouer un peu dehors? Je t'appellerai pour le dîner. Bah, parce qu'il neige, il fait froid. Oui, mais je suis bourré, je sais. Chérie, mets ton manteau, il fait vraiment froid dehors. En même temps, moi je dis ça, je dis rien, mais il y a nos chaussettes aussi. Alors, si elle met que le manteau, il y a des vents en chaussettes. Bon, je dis ça, je dis rien, mais c'est chaud aux patates quand même, avoir froid aux pieds. Voilà. Ah non, bah, maman a dit que que le manteau, hein. On s'est habillé en armée, toi. Palin, 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 palin. Voilà, tu t'es pris. Voilà, tourne là. Tom, 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 tom.
C'est parti, mon kiki. Bon, d'accord. Bon, d'accord, mais elle est blasée. Bon, allez, je vais dehors. Super, maintenant je peux m'ennuyer et avoir froid. Mais ça, tu t'en fiches, pas vrai, Aiden? Toi, t'as jamais froid. Non, on joue au foot. Allez, on joue au foot. Non, on joue pas au foot, t'as raison. Non, le banc, il est tout froid. Ah, y'a un... Vas-y, viens, on va jouer avec ça. Tourne, 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 tourne. On peut, là. On peut interagir. Tourne, tourne, tourne. Voilà. Eh, tu vas y aller ou non? C'est moi le patron. Tu veux bien me pousser, Aiden? Si tu veux. D'accord. Comme tu veux. C'est pas marrant de toute façon. Bon, il y a des enfants qui sont en train de jouer là. Eh, hey, t'as entendu ça? J'ai bien vu. Ah, la neige, c'est froid, oui. On va par où pour voir? Tu l'as prise en pleine tête. Ah, il y a un truc là. Hop, demi-tour droit. Allez hop! Ah bah non, ça glisse. Montre-toi, sale. Tu pourrais au moins me donner un coup de main, Aiden! Ça suffit! Ok! Aiden, t'es le meilleur! Je sais, je suis balèze! Allez, on y va! Encore des touches cheloues, en plus c'est même pas les mêmes, faut appuyer un coup en haut, un coup en bas. Hey Jody, tu veux jouer avec nous? Ouais, trop fun! Allez, dépêche-toi, va te cacher, tu vas te faire avoir! Trop débarre! Bim! Dans la tête! Bim! Dans la tête! Ah parce que je suis prêt, c'est pour ça, hein, tu m'as eu. Ah putain, j'ai loupé. Allez, allez, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. Attention. Tiens, dans ta tête. Poum. Oh la tête. Tiens, il bouge pas. Ah ouais, tu bouges pas, tu t'en prends plein. Hein. C'est le but, mon gars. Bim. Allez, bim. Dans ta tête. Il est là. Cette fois t'es foutu. Je t'ai eu. Non, non, mais lâche-moi. Non, non, arrête. Ne pas le tuer, gamin. Je vous aurais prévenu, Jodie Holmes, c'est une sorcière. Allez, allez,
On rentre à la maison. Allez, dépêche. Rentre à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu faisais dans la rue? Tu sais que tu n'as pas le droit de quitter le jardin. J'ai vu les autres enfants jouer. Je voulais juste m'amuser un peu. Qu'est-ce que tu as fait à ce garçon? Tu peux me le dire? Je lui ai rien fait du tout. C'est de la faute d'Aiden. Il essayait de me défendre. Il a cru. Je commence vraiment à en avoir marre de tous tes mensonges. Jodie, non, celle-là, non, tu n'auras pas volé. Philippe, non! Oh, t'as un chien. Va dans ta chambre. Allez! Essaie de dormir un peu, mon cœur. Tout ira bien mieux demain matin, d'accord? Maman! J'ai peur que les monstres viennent ici, maman. Ils vont m'attraper. Chérie, les monstres, c'est juste dans ta tête. Je laisse la lumière et la porte ouverte, d'accord? Dors bien, ma chérie. C'est dur avec elle, Philippe. C'est juste une petite fille. Tu en es sûr? Tu as vu ce qu'elle peut faire? Suzanne, ce n'est pas une petite fille, c'est... c'est un monstre. Je t'interdis de parler d'elle comme ça. Tu vois bien les choses qui se passent quand elle est là. Ça n'a rien de normal et ça devient dangereux. Pour l'amour du ciel, Suzanne, qu'est-ce qui l'empêcherait de s'en prendre à nous? Ne sois pas ridicule, voyons. Suzanne, cette chose, c'est comme un animal incontrôlable. On n'a aucune idée de ce dont elle est capable. Il y a un démon qui vit avec nous, juste sous notre toit. Suzanne, il faut que ça s'arrête. Et que ça s'arrête maintenant, avant qu'on perde la raison ou la vie. Nous avons accepté de prendre soin d'une petite fille, Suzanne, mais pas comme ça. Pas comme ça. Ok. Pauvre gamine, elle n'est plus rien aussi. Elle va pas dormir là, ça le stresse tout là. Oh, la pauvre gamine quand même. Hé hey, dodo, cala mon petit frère, hey, dodo, t'aura du boulot. Ah, il y a des... ah, il y a quand même des trucs quand même. On va allumer la lumière. Voilà. Ouais, on est bien. On prend le nounours. Hop. Un petit câlin, ça ira mieux. Concentration. C'est bon, ils sont partis les monstres. T'as aucune raison d'avoir peur, Aiden. On va tous les deux s'endormir. Il va rien nous arriver de mal. Johnny! Ah, là, c'est chaud quand même, là. Pousse-toi, je vais essayer. Johnny! Est-ce que ça va? Ma chérie. Oh, gamine. Qu'est-ce qui s'est passé, mon ange? Tu m'as dit que les monstres, c'était dans ma tête. Mais ils existent, maman, ils existent! Eh, ça fait peur, ça. Pauvre petite fille.
Ami imaginaire, ouais. Ah, il y a des monts chelous là. Voix mon emprunté. Ok, gâteau. Gâteau d'essai. Ouais, bougez pas. Voix emprunté, sortir de garage. Attends. Ah, ça, ce que j'ai réussi à le faire, ça. Voix emprunté, sage. Et voix emprunté, boîte de chaussures. Ok. Ouais. Ok, ouais, je me dis des trucs. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que. On va s'arrêter là. Pour cette troisième vidéo, si je me trompe pas. Comme d'habitude, bon bah laissez-nous des petits pouces et des commentaires. N'hésitez pas à partager les vidéos, que ce soit celle-là ou d'autres vidéos qu'on aurait fait. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut à tous!